Hey, y'a tout le monde, c'est super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau live et nous sommes le samedi 12 novembre, il est midi 39. Et on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Disney Dreamlight. Donc, comme vous le voyez au titre, il ne me reste plus que 6 missions et on a bientôt fini le jeu. Donc, on doit atteindre Ariel au niveau 7. Mais Ariel, malheureusement, ça va être assez compliqué pour l'atteindre au niveau 7. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un petit peu Wally pour l'augmenter. Voilà. Pour un peu l'augmenter. Hop, voilà. Allez, viens avec moi. On va faire quelques pouces. Alors, donc, je sais pas si vous aviez vu, mais j'avais planté ma petite graine là-bas pour le pilier du soin, et elle avait mis du temps, mais elle avait mis beaucoup de temps en fait à pousser et tout. Et là, regardez, comme vous le voyez là-bas, donc, je l'ai re-arrosé ce matin. Mais non! Mais non! Mais non! Je l'ai enfin! Oh. Mais non! Mais non! Je l'ai enfin! Oh, mais oui! Bon, ben voilà! Oh. Oh, je suis tellement, mais... Oh, je suis tellement content, vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Oh la vache. Oh. Après 3 jours, je l'ai enfin fait. 3 jours. Oh non, mais là, c'est... Oh, c'est magique. Je vous le dis, c'est magique, honnêtement. Ah là 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 là. Allez, hop, on va aller parler à Scar. Alors, où est-ce qu'il est? Bah, il est juste là, on pourrait. Oh là là, non mais mon Dieu. Oh, Si je je suis dirais content. qu'en échange de bons Ah, je vois procédés. que tu as ramené la vie dans mon royaume. Et il était plus que temps. Je suis tout bonnement affamé. Franchement, je ne croyais pas capable de réussir. Même sous ma supervision. Moi non plus, je n'y croyais pas. Eh bien, tant que tu écouteras attentivement chacune de mes instructions, nous arriverons tous les deux à nos fins. Je suppose qu'il y a assez de place pour nous deux dans cette vallée. Tant que tu te souviens d'une chose, le plateau ensoleillé est mon royaume. Il n'appartient à personne d'autre. Ne l'oublie pas. Ne t'en fais pas, je ne vais pas l'oublier. Ne t'en fais pas. Je vais te mettre en extraction, toi. Oh, génial. Ce n'est pas notre illustre monarque descend des hauteurs pour se mêler aux personnes du commun. Qu'est-ce qui t'emmène dans notre humble demeure? Je suis là pour t'aider. As-tu besoin de quelque chose? Oh, comme c'est magnanime de ta part. Mais peut-être que tu devrais commencer par t'aider toi-même. Pour quelqu'un censé être la chef de cette vallée. Tu as l'air plutôt minable. Les tribus ne sont-ils plus ce qu'elles étaient? Je pourrais me donner un peu plus de style. Je le ferais si j'étais toi. Il ne te manque qu'une certaine dignité, ce qui te sert de pelage et insipide et en loque. À peine digne d'un procréate. Si tu veux régner sur ces terres et traiter avec moi le roi du plateau ensoleillé, tu vas devoir activer ça. Alors j'ai besoin de changer ma tenue pour avoir l'air un peu plus royal. Je veux faire ça. Je tremble d'impatience. Demande-lui de faire un motto saillant à une chef digne de me rencontrer.
Je vais demander à Mergotel. Elle est habile pour ça. La femme du boyau, comme tu veux. Mais veillez à ce qu'elle ne te poignarde pas dans le dos. Parle à la Mergotel. La Mergotel, où es-tu? Pourquoi Picsou il a quelque chose en violet sur lui? Ah, justement, la personne que le plateau ensoleillé regorge de ressorts naturels. Mais laissons pas ses pour appeler les végétales. Aujourd'hui, avec un peu d'entretien, je suis sûr qu'il pourrait faire une belle étape touristique pour le voyage à Raverty. Je vais en faire un idéal pour faire bronzer. Oui, ça a l'air génial. Ok, bon, faut faire des choses là-bas, d'accord. Alors, que me vaut la peine, le plaisir de t'accompagner aujourd'hui. Alors, il y a ce lion qui vit sur le plateau ensoleillé. Oh, laisse-moi 2 minutes, tu veux t'en débarrasser avant qu'il ne dévore quelqu'un. J'ai ce qu'il te faut. Ah non, j'essaie de convaincre Scar de me rappeler, il refuse de mon pelage. Mon pelage n'a pas l'air aussi plus digne d'une chef. J'espérais que tu pourrais m'aider avec ça, peut-être. Mais pourquoi permettrais-tu à cette bête de rester dans le village? La solution la plus rapide serait de transformer ce félin stupide en manteau. Mergotel, c'est affreux, affreux, discutable et réaliste, sans aucun doute. Si tu insistes pour le faire à ta manière et si tu veux que je te fasse un manteau, apporte-moi les matériaux. J'aurai besoin de fibres, de morceaux de tissu et de quelques citrines et d'un lingot de fer. Des citrines pour un manteau? Pourquoi veux-tu que je trouve des gemmes? Pour t'apprendre à ne pas poser de questions stupides. Oh, je plaisante, tu devrais apprendre à sourire plus. Tu es toujours si mince. Maintenant, file et ne reviens pas avant d'avoir rassemblé les matériaux. Des fibres, tissu. Normalement, du tissu, je dois en avoir, je crois. On va aller voir à la maison. Citrine, normalement, j'en ai. Lingot de fer, pareil. Toc, 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 toc. Voilà, je savais bien que j'avais des citrines. Du tissu. Où est-ce que j'aurais pu mettre ça? Est-ce que j'en ai déjà? Ça, c'est une vraie question. Mais ça n'a pas l'air. Ok, donc non, ah non, c'est 2 citrines, c'est pas une. Ok, donc j'aurais pensé que j'avais des tissus, mais a priori non. Marguerite blanche, ok. Hop. On va transférer ça, on va le séparer. Ok, donc je pensais avoir du tissu, mais non. Donc, des fibres. Ah, voilà. Tissu. Voilà. Et normalement, avec citrine et lingot de fer. Donc, il me refaut encore une gemme. Voilà. Et un lingot de fer pour monsieur. Comme ça, c'est fait. Voilà. Apportez le matériel à Mergotel. Ouais, bah oui. On va lui apporter ça. Alors, la Mergotel. Elle est toujours là-bas. Ok. Bah, on va lui apporter ses matériaux. Toulou tout, la Mergotel, elle est où? Elle est là-bas. Voilà, hop, récupère tous mes petits matériaux, mes fibres, mes tissus, la citrine et le lingot de fer. Bonjour, très cher. Ah, te voilà, hein? Même la citrine, celle-là. Ok, attends, tu avais besoin de gemmes, c'était juste pour ta boîte à bijoux. Tu m'as menti. Considère cela comme un paiement pour mes services.
et que cela te serve de leçon. Rien n'est gratuit. Voilà ton manteau comme promis. Bonne chance avec cet insupportable animal. Ouais, bah. Ok, retourne voir Scar. Ah là là, la mère Gothel. Où est-ce qu'il est? Il est au plateau ensoleillé, alors on va aller le voir. Ok. Par ici. Oui, maintenant que tu comprends, tu vois, c'est difficile. Même un facochère aurait pu le faire, je suppose que je devrais te dire la raison de ma mauvaise humeur. C'est simple, je suis affamé, il n'a pratiquement aucune proie à manger. Pour moi, dans le village, bien sûr. J'ai effectivement vu un de tes voisins à plume dodue, mais je présume que tu n'apprécierais pas que j'en mange un. Eh bien, je n'apprécierais pas de mourir de faim. Il faut trouver une solution et vite. Après quelque chose, hein, pour le bien des villages, aurais-tu intérêt? D'accord, d'accord, je crois que Rémi est le mieux placé. Le rat, c'est à peine un amuse-bouche, mais si je n'ai pas le choix. Mais non, non, je veux dire que nous pourrions demander de l'aide à Rémi pour te faire à manger. Ah, je me souviens des repas de nos abondes qu'il faisait avant l'oubli. J'espère pour ton bien qu'il s'améliorerait. Je n'ai rien contre un mangeur si je n'ai pas le choix. Je vais aller parler à Rémi. Reste ici et ne mange personne. Alors Rémi, où est-ce que tu te caches? Rémi, il est au restaurante. Donc on va aller voir Rémi au restaurante. Alors, qu'est-ce qu'il va me demander de faire? Est-ce que je peux avoir un coup de main? Oui, ah, oh, bonjour, oh, c'est un plaisir de voir. J'espère que tu es là pour manger car j'ai des choses fabuleuses au menu. Attends, le manteau que tu portes, tu me rappelles quelque chose, quelqu'un. Oh non, tu veux que je cuisine pour Scar, la critique gastronomique la plus difficile de toute la vallée. Ah, j'aime les défis inspirants. Même un défi aussi risqué que celui de nous rayons. Tu vas devoir m'aider en préparant les plats principaux. Je pense à des sushis frais. C'est le meilleur quand je m'occupe du dessert. Voici la recette, les recettes à cuisiner. Oula. Ok. J'espère te revoir bientôt. Maki au thon, maki au saumon. Ok. Et merci à la zone. Et le maki. Est-ce que j'ai du saumon? Alors là j'en ai aucune idée. Ah si, c'est bon. Hop, le maquis au saumon. Et ensuite le maquis au thon. Oh non, il faut du gazpacho. Ouais si. Oh, putain, c'est deux trucs de saumon il lui faut. Bah, je vais lui faire son deuxième. Alors, c'est où que je peux le récolter déjà? Attends, déjà, où est-ce que je peux l'acheter? Ça ira beaucoup plus vite en vrai. Du soja, le plateau ensoleillé. Ok, bah je vais aller voir si mon soja il a poussé. Sinon, je vais aller directement en acheter. Parce que j'aurais pensé en avoir, mais non. Alors, est-ce que c'est bon ou pas? Ouais, non, toujours pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout lui acheter au pire. Pas le choix. Voilà, comme ça c'est fait. Et je vais aller lui cuisiner son petit truc là-bas. On utilise la recette, le maquillotton. Et la deuxième. Voilà, alors, apporte les sushis à Rémi. On
On va apporter les sushis à Rémi, vu que Rémi, il veut des sushis. Oh, Tony, monsieur, Makioton, Makio saumon. Oh, tu t'es encore su passer, ça a l'air assez bon pour être servi dans n'importe quel restaurant gastronomique. Pendant que je t'occupais des plats principaux, j'ai fait un gâteau à un coco qui, j'en suis persuadé, rassasiera suffisamment Scar pour qu'il ne dévore plus quoi que ce soit. Allons lui donner ensemble, l'union fait la force. Oh, ok. Vas-y, hein. Allez, Rémi. Il est où, Scar? Scar, il est là-haut. Allez, viens. Tant qu'on arrive, voilà, il descend. Oh, on m'a dit que tu avais faim. Alors, nous t'avons préparé un petit frishti qui devrait te plaire. Des sushis frais du jour. Et un gâteau de noix de coco. Voyons cela. Ce gâteau, as-tu dit? Il est sec, insipide et manque cruellement de zèbre ou de gazelle. Reprends-le, je n'en veux plus. Je ne veux plus le voir. Mais le poisson est acceptable. Cette préparation est beaucoup plus intéressante que la carpe remuante qu'on m'a donnée auparavant. Je suis apaisé. Pour l'heure. Tu n'imagines pas mon soulagement en entendant ça. Fais attention à moi. Eh bien, tes voisins ont gagné un répit de la part de mon appétit carnassier. Tu devrais penser à être plus gentil avec les autres. Pourquoi devenir tes amis? Amis, je t'en prie. Les amis sont pour les personnes qui minaudent, qui ont beaucoup trop besoin de partager. Bien sûr, ça aide si je suis ton... Y a-t-il une raison qui te pousse à m'ennuyer? Qu'est-ce que tu veux? Sushi au thon, sushi au fugu et un brochet. Sushi au thon... Un brochet... par contre, sushi au fugu, je sais pas c'est quoi. Sushi au fugu. Alors là. Alors là, je sais pas du tout comment on fait. Ah oui mais c'est pas le poisson bizarre là, le fugu. Est-ce que j'en ai un? Sol. Ouais bah non, j'en ai pas de. Non, j'ai pas de fugu. Il voulait un saumon, je crois, aussi. Et qu'est-ce qu'il voulait d'autre? Sushi Un sushi au thon, je crois. Ouais, je crois que c'était ça, il voulait un sushi au thon aussi. Ah non, hop là. Je sais plus si c'est un sushi au saumon ou un sushi au thon. Mais du thon, je vais essayer du thon et du riz peut-être. Ah, attends. Le riz et le thon. Est-ce que j'en ai du thon? Ah, mais je sais plus c'est quoi qu'il veut. Attends. Ah non, c'est un brochet et un sushi au thon. Un quoi? Mais un sushi au thon? Mais comment je le fais déjà le sushi au thon? Un sushi au thon.
Bon, ben, je ne sais pas. Au pire, bon, je ne veux pas trop me prendre la tête avec, avec lui, au pire. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais déposer ça. Non, ça c'est tous les cristaux. Pire, je vais le déposer là. Je vais le mettre là ici. Et ouais, bah voilà, au pire, j'irai farm avec. Donc, qu'est-ce que j'ai sur moi que je peux entreposer? Rapporte les fleurs à Elsa. Ouais, mais je vais les rapporter juste après. Y a pas de place dans ce coffre, j'avais pas vu. Voilà. Je vais juste déposer ce qu'il me faut là-bas. Oui, ok, donc je n'ai pas de place. Ce que je peux faire, c'est que je vais faire un coffre pour le blé et le riz. Comme ça. Ça sera un peu plus simple. Voilà. Comme ça, on est parti. Un coffre pour le blé et pour le riz. Hop tout. Alors, je vais le placer. Bah, je vais le placer. Je vais le placer ici. Là, là, je peux l'ouvrir. Ouais, c'est bon. Je peux passer. C'est nickel. Donc là, je vais mettre. Je sais plus où j'avais mis mes. On va le mettre là. Voilà. Je vais engager Scar. Comme ça, il va pouvoir me suivre dans les différentes quêtes et tout. Je peux farmer, etc. en même temps avec lui. Et ça sera beaucoup plus simple. Où est-ce qu'il est? Il est là-haut. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais même aller arroser les plantes avec lui. Comme ça, lui, il gagnera un peu plus d'XP et tout. Et ce Mes sera salutations. un peu mieux. Allez, hop. Oh non! Mais non! Mais gros! Eh, je vous jure, c'est vraiment un jeu de merde. Je vous jure, c'est pas possible. C'est pas possible comment ce jeu, ça peut être de la merde, quoi. Putain. Merde. Ah, buggy comme ça, ce jeu, il me gonfle au bout d'un moment. Il me gonfle, ce jeu. Mais il me saoule, à force. Putain, c'est plus possible, il y a trop de bugs sur jeu de merde, il y a trop de bugs. Il y a trop de bugs sur jeu de merde. Il y en a, oh, j'en ai eu tout, ça fait 5-6 jours que je joue, ça fait 5-6 jours que j'ai full bug. Regardez, encore une fois, voilà. Ça full bug ce jeu de merde. Il full bug ce jeu de merde. Putain, ça fait 5-6 jours que je joue, 5-6 jours qu'il y a des bugs constants, quoi. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Comment il peut être merdique, ce jeu? C'est pas possible. C'est pas possible. Comment il peut être merdique, ce jeu, quoi. C'est pas croyable quand même. Aïe, allez, il faut que je replace tout, putain. Mais je hais ce jeu de merde, mais je le déteste ce jeu de merde. Mais je le déteste ce jeu de merde là, putain. Il me casse les couilles. Mais il me casse les couilles ce jeu de merde à force à bugger là.
Il me casse les couilles ce jeu de merde. C'est abusé comment il peut être buggé, jeu de merde. Ah bah c'est pas grave, maintenant chaque fois je vais faire que de sauvegarder toutes les 10 secondes. Comme ça m'évitera que ce jeu de pute il me refasse encore un bug. Et je préfère le dire que si ce jeu il rebug encore une fois, je le désinstalle. Allez, regardez, j'ai fait mon coffre, hein. Il est pas apparu la première fois dans le truc. Hein. Comment il est bugué ce jeu, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible comment ce jeu il peut être bugué. Allez! Ah putain, il est déjà en train de me saouler là. Putain, il est déjà en train de me saouler ce jeu là. Regarde, la dame elle se bloque partout, il faut pas. Putain. Bon, il est où ce connard? Il est là. Là, ça commence déjà à me fatiguer là. Enfin, te voilà. Ah. Allez, va. Allez hop, c'est parti, on va farmer un petit peu avec toi. Là, je vais l'arroser vite fait les plantes là-haut. De toute façon, son niveau 3 il va le passer incessamment sous peu. Toc, 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 toc. De toute façon, il va le passer après cette pierre. Voilà. Voilà. Ni Shquel, niveau 3. Mais je ferai après avec toi. Je vais vite fait arroser les plantes. Parce qu'elles ont besoin de boire un peu. J'ai mis où mon truc? Normalement, il doit pas être loin de la fontaine. Ah, il est là, donc c'est bon. Ah, attends, on va lui parler, comme ça il sera content. Quel problème, dis-moi. Le plateau ensoleillé. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Tu rien? Eh bien, jamais pris rien. Oh, tu pourrais les enlever toi, monsieur? Alors, c'est pas possible, Gauthier. Hein, bien sûr, t'appelles le royal et puis j'ai futé que l'espace, je m'en rappelle quand même. Parfait, par là, monsieur Picsou. Ok, donc pour les ossements, on peut les enlever après. Mais déjà, je vais faire l'autre quête que je voulais faire avant. Récolte juste fait les matériaux et tout, ainsi à droite à gauche. Voilà. Ouh, du diamant. Oh, ça c'est beau ça. Ça c'est bien. C'est bien ça quand ce jeu il me donne ce qui est bien. Là y a rien, là y a rien. Ah, là y a un Grey Store. Ok, de toute façon il va passer bientôt à son niveau 4. Incessamment sous peu. Ok. Oh, très bien. Tchoc 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 tchoc, il y a encore un caillou ici. Bon. Moyen, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que j'obtiens? Est-ce qu'il y a encore d'autres cailloux par ici? Non. Alors, on va rapporter les fleurs à Elsa. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas, donc on va aller là-bas. Ah, attends. On va aller arroser
les plantes là-bas, comme ça lui, il va aussi gagner un peu en termes d'XP. Ça sera très bien pour lui. Je ne sais plus ce que j'avais planté, des oignons, je crois. Moi-même, je ne sais plus. Je ne me souviens plus. Ben, on verra très bien tout à l'heure. Alors, Elsa, est-ce qu'elle est encore au même endroit? Voilà, c'est assez vite déplacé. Ok. Alors, Elsa, tiens, madame. Ah, peut-être qu'elle va me donner le pouvoir pour les. Bonjour. Les grosses glaces. Et maintenant, un peu plus de glace. Voilà. Oh! De quoi d'autre avons-nous besoin selon toi? Puisque c'est l'hiver qui nous intéresse, ajoutons de la glace au mélange avec des morceaux de glace de la grotte de glace. Une fiole d'eau glacée, des hauteurs de glace et de la neige pour rendre. Oh putain! T'es en fou des choses. Alors, morceau de glace à la grotte de glace, une fiole d'eau, des hauteurs de glace et de la neige. Bon. Alors, de la neige, je sais déjà où je peux en acheter. Donc, je vais aller lui en acheter. Des morceaux de la glace de la grotte de glace. Je vais creuser les trous parce que je sens que j'aurai besoin encore de minerais. De minerais obscurs raffinés. Je sens que je vais en avoir besoin. Je sais pas pourquoi. Non mais lui il me saoule aussi à me gêner comme ça constamment là. Je sais pas pourquoi. Mais je sens en fait que j'en avoir besoin. Allez hop, vends-moi de la neige. C'est 3 je crois qu'il faut. Quelques traîneaux de plus. 3. On va aller dans les hauteurs glacées. De la grotte de glace. Une fiole d'eau. Ok. Ouais, mais j'ai pas. Et des morceaux. Ouais, mais j'ai pas accès à ça. Retourner voir Elsa, donc désolé. Un petit appel. Elsa, où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas. Par contre, je sais pas c'est qui ce numéro de téléphone à chaque fois. Mais. Alors attends,
71 15, je sais plus c'est quoi, 71 15 30 85. Ok, bon, bref. Elsa, où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas. Tu pourrais m'aider? Oui, je peux t'aider à te donner la potion de magie. Oui. Oh, cette potion est puissante. Ma magie peut le sentir, tiens. Cela te revient. Qu'est-ce que c'est? Je vais juste l'appliquer sur une pioche comme ça. C'est bien chaud. Donc cela veut dire que les gros rochers de glace. Ouh, ça c'est bien ça. Casser le gros bloc de glace, d'où vient le son? Intéressant, intéressant. Au moins, ça lui fait gagner de l'XP à Ascar en plus. Ça fait aussi pas mal de boules de neige. Ah, il y a un minerai en plus. On va les récupérer maintenant. Hop, hop. Hop, 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 hop. Oh, le niveau 4 à 1000 pour Scar, bien. Ah, j'ai cru qu'il allait pas, me le donner en deux fois là. Oh, en plus c'est le brillant. Oh, celui-là il rapporte pas mal, je crois. Ouais, 4000, en vrai c'est pas mal. Au moins, ce sera un peu plus facilitant pour moi de farm le tout maintenant. Alors là-bas, y a une page, donc on va aller la récupérer. On va même récupérer le bois. Tchoc tchoc tchoc, il y avait un coffre aussi là-bas que je vais aller prendre. On va creuser ici, au cas où, sait-on jamais que j'en ai besoin plus tard. Enfin, c'est pas sait-on jamais. C'est quasiment sûr que je vais en avoir besoin. Ok, hop. On récupère ça. Le bois, le bois, le coffre. Le petit habit. On va casser ce gentil rocher. 4. Ok. Oh, bien. Voilà, maintenant j'aurai pas mal d'endroits pour farm correctement. Et après, ben, ça sera à moi de continuer, hein. Même si le jeu, je l'ai quasiment terminé. Il y aura encore, enfin, il y a encore beaucoup de choses. Par exemple, ma maison à finir. Les différents souvenirs. Le jardin d'Oali. La pirogue de Vaiana. En fait, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, en vrai,
C'est plutôt pas mal quoi. Déjà là je vais virer tout ça. Là c'est l'appel. À casser si là ouais ça fait à peine 40 minutes que je l'ai, il va bientôt passer niveau 5 quoi. C'est ça le gros bloc de glace qui émet de la musique. Ah mais là-bas je les ai pas fait. Ouais, je suis passé devant quoi. Ils sont immenses pourtant. Ok, là il y en a encore un là. Oh, avec un coffre en plus. Bien, bien, bien. Ok. Le coffre qui émet de la musique. Le coffre, le... Celui-là? Bah non, lui, c'est un... Un coffre de... Pour les... Un coffre. D'où vient le son? Mais il n'y a pas de... Attends, il n'y a pas de truc qui fait de la musique ou je sais pas quoi. Là, les morceaux de glace, je les ai tous faits. Peut-être dans la grotte peut-être. Ah ok ouais. Ah bah oui. Bah voilà. Oh merde. L'avant-dernière pièce qui me manquait, en plus le coffre. Excellent. Hop, des nouveaux vêtements. Boucle d'oreille orange. Bon, c'est pas foufou. Bonjour mon ami. Blanche. Ok, faut placer l'emblème orange sur la paroi. Là, retournez voir Elsa. Tiens donc, ça ne serait pas. Voilà. Je suis certaine que nous aurons très vite la réponse. J'espère que tu as raison. Merci pour ton aide et ton avis. Avec ta pioche, je suis enchanté. Aucune glace ne pourra rester. Et j'espère que nous pourrons bientôt résoudre le mystère de la paroi de la grotte de ce son étrange. Alors attendez. Ok. Est-ce que je peux... Ouais, je peux te parler. Ok. Je me souviens de quelque chose d'autre à propos de la mystérieuse grande de glace. As-tu le temps de m'aider à la résoudre? Enfin, je suis content de voir que je ne suis pas la seule à être impatiente. Grâce à ton aide et ton soutien, de plus en plus de souvenirs me reviennent et je me suis souvenu de quelque chose par rapport à l'emblème que nous avons trouvé ensemble aussi. Celle qui les a cachés, j'étais surprise. Ok, allons-y. Oui, c'est ce que j'allais te suggérer. Ouais, c'est parti alors. Ok. Ça doit être tes souvenirs qui reviennent. Oui, c'est. Nous avons peur que les avoir soignés. Ok. Je me souviens qu'elle a insisté pour nous aider à cacher les emblèmes. Ça lui ressemble tellement de volonté. J'ai vraiment la chance d'avoir un sœur comme elle. Oui, on dirait. Peux-tu aller lui parler pendant que j'essaie de me souvenir d'autre chose? Bah, vas-y, pas de soucis. Allez, parler à Anna. Je vais casser un peu les cailloux qui sont là.
Il y a une gemme ou quelque chose comme ça, mais... Ah bah tiens, il y en a une à côté. Ok, là j'ai vraiment eu de la chance sur ce cristal, ce qui m'en a donné. On n'a pas donné tant que ça, mais il m'en a donné quand même. Qu'est-ce que je dois faire? Parle à Anna. Où est Anna? Where is Anna? Anna, elle est. Elle est là-bas. Ouais, attends, je suis passé à côté d'elle quoi. Hannah, oh, where is Excuse-moi, je Hannah? peux te demander quelque chose? Oui. Laisse-moi deviner, tu pars pour une grande aventure. Oh, tu prépares un festin scolaire. Oh, super, j'ai besoin que tu sois un peu plus explicite. Ta sœur essaie de protéger quelque chose. Il y a quelque chose en part avec la glace. Merlin a aidé Elsa à cacher ses étranges emblèmes dans le village. Oui, je m'en souviens présent. Elle avait demandé de l'aide à Merlin et il m'avait donné une étrange chose magique. Elsa voulait que je la cache là où seule une personne de confiance pourrait la trouver. C'est la raison pour laquelle je l'ai cachée dans ma maison. Allons la chercher. Oui, on va certainement faire ça. C'est juste qu'il y a un petit problème. Je me souviens que c'est dans ma maison, mais je ne me souviens pas où. Les emblèmes font de la musique, de la musique. Maintenant, j'ai entendu une sorte d'étrange musique dans ma maison l'autre jour. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que je l'ai entendu que toutes les heures, à l'heure pile. Tu as dit qu'une seule personne est capable de la trouver. Bien. Depuis longtemps, c'est fréquent des gars. Je vais me cacher. Qui est dans ma famille hein. Et musique bizarre à des amplis, j'espère que ça te sort. À 1 heure pile. À 1 heure pile, ça veut dire qu'il faut que je prenne. Que je prenne l'emblème. Enfin, le dernier. Place-le sur la paroi de la grotte de glace. Ah, je croyais que ça allait être un peu plus compliqué que ça, mais non. Au final, non. Bah, je vais aller placer le dernier emblème dans la grotte de glace. Tout, 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 et c'est parti! Let's go! Et on place le dernier emblème sur la paroi de glace et où nous aurons enfin nos réponses tant attendues. Retourne voir Elsa. Ouais. Je me souviens de tout maintenant, je voulais garder quelque chose, c'est quelque chose que le but menacé. Absolument. Dans ta proximité, et bien maintenant que nous avons l'obligation de sécurité. J'aurais fait pareil, ça fait plaisir à entendre. Donc Marlin a créé. Un plat d'arôme mariné pour la nourriture et jamais au village. Une lise de la passion blanche. Une carotte, un lingot d'or. Il neige. Oh putain. Heureusement, le froid est pour moi le prix de la liberté. Un hareng. La lise de la passion blanc. Elle se trouve où? Cueillette, lys de la passion blanc, autant glacier. Ouais, il manque la bleue, donc je vais trouver la bleue, comme ça j'aurai toutes les fleurs, techniquement. Je vais quand même regarder, mais normalement. Ouais. Alors, les hauteurs glaciers, il manque la bleue, il faut que je trouve la blanche. Il me faut aussi une carotte et un lingot d'or. Alors, il me faut la blanche, ça doit être celle-ci. La bleue, elle est juste là et je les ai toutes. Voilà. Il me faut une carotte et un lingot de fer. Un lingot de fer, un lingot d'or. Non.
Oui, un lingot d'or. Un lingot d'or, j'en ai, une carotte, j'en ai aussi chez moi. Bon, c'est très bien. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais pas aller récupérer le truc dans mon coffre et tout. Je vais faire ça. Oh, 460 lingots de, enfin, minerai d'or. Et je l'ai bien pensé, la grotte. Les carottes. Alors, les carottes, je sais plus exactement où je les ai mis. Ah, bah, voilà. Je vais faire un peu de rangement parce que là mon sac à dos commence à être assez rempli. Les boules de neige, je sais pas où je peux les mettre. En vrai, je peux même les mettre là quoi. Là c'est bon. Attends, il y a le truc de... Voilà, ça je vais aller mettre tous les. Toutes les pierres là-bas, mais ça m'étonne, je sais pas si je les ai toutes en vrai dans mon coffre. Non, il manque une bleue, une rouge, une verte. Ouais, il doit me manquer trois, je pense. Ouais, il m'en manque trois. Il m'en manque trois et après je les ai à peu près toutes. Je les ai à peu près toutes. Les fleurs que j'ai pas besoin, je vais les mettre là. Le sushi, je vais quand même le garder. Et c'était quoi le dernier truc là? J'ai oublié. Ah oui, le. Par contre, je sais pas à quoi ça me sert pour l'artisanat. Mais je sais pas trop à quoi il me sert pour le moment. Peut-être j'aurai mes réponses, mais là j'en ai aucune idée. Donc on verra bien, mais je sais pas du tout à quoi me sert pour le moment ce minerai de cristal. C'est un mystère. Et tant que je suis là, on fait d'une pierre deux coups, on casse des rochers et on récupère pas de minerai. Oh! Et le niveau 5 pour monsieur. Oh, oui! Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal vraiment. Oh, encore. Oh, bien, bien, bien. Non, il m'en donne pas en double. Non, il n'a pas très envie. Alors, on a posé le hareng, il me faut la lisse de la passion blanche, la carotte et le lingot de fer. La lisse. Ok. Donc, c'est eux qui placent. Enfin, c'est eux qui mettent dans l'ordre. Ok. Parle à Elsa. Elle est où Elsa? Ah, elle est là. Point de chance. Oh, c'est parce que je vais utiliser la magie Dreamlight. Ben oui, logique. Oh, un coffre. Oh, là, la glace autour du coffre a disparu. Voyons ce que j'ai caché. Ok. Oh. Oh, elle est belle la tenue. Bonjour, mon ami. Une jupe, laisse-moi la voir. Oh, elle est belle là, vraiment, mais maintenant tu me. Je regarde. Oh, je vais la mettre directement. Et voilà pour Elsa, on a terminé. Ah, il faut que j'aille parler à Picsou. Et voilà.
On va aller parler à Monsieur Picsou, Monsieur Picpix, Monsieur Xouxou, Monsieur Picsou, il est où? Putain, il y en a du monde au resto. Moi, je me dis, j'ai bientôt fini le jeu. Mais pas bientôt. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que certes, j'ai fini les quêtes, etc. bientôt. Mais j'ai encore énormément de choses entre les poissons, les trucs, les ci, les ça. Bref. J'ai fait ça tout pour ça. J'ai besoin de la photo. Ah, certains demandaient de régler ça pour lui. Classique. Tu sais, si ça continue de tout faire à sa place, il n'apprendra jamais. Oh, c'est la dernière fois, je le promets. Bon, d'accord. Je sais que mon entreprise bénéficie ça grandement d'un nouveau produit du plateau ensoleillé. Mais Scar doit apprendre à ne pas du tout détruire. Ce moule devrait rendre ta pelle assez solide pour déblayer les ossements. Je sens, il va me falloir. Je sens en fait, qu'il va me falloir de l'or ou je sais pas trop. Intégrer tout mon rien, je veux dire d'avaler évidemment ou une autre. Je suis coincé dans. J'ai le moule, mais je sais pas quoi faire avec. Ah, je suis entouré d'imbéciles. Est-ce que. Mais je me rappelle de quelque chose avant l'oubli. Ensemble, du bois sec et de fabriquer quelque chose que tu appelais des lingots de fer. Oh putain. Des lingots de fer et du bois sec, c'est ça? Des lingots de fer. Bon, des lingots de fer, normalement, ça devrait le faire. Je viens de dire normalement. Voilà. Et de 1. Tout, 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 tout. Et de 2. Paf. On continue, on fouille l'endroit. Du bois sec, on le récupère même si je sais que j'en ai suffisamment un peu en réserve. Alors, où est-ce qu'il peut il y en avoir? Oh, j'ai pas vu qu'il y avait de l'or là. Ah non, je peux pas la récupérer. Ah non, c'est buggé. Marde. Où est-ce que je peux trouver Attendez, il y a un truc léger. On dit pas un truc léger, c'est un poisson légendaire. Oh, c'est la première fois que je. C'est quoi ce poisson? Doré jaune. Attends, ils ont combien? 1000. Oh, ça va. Mais on verra bien si je vais le cuisiner. Mais Ah, près des falaises, ok. Et de 3. Ah, bah oui, voilà. Hop. Et de 4. J'ai dit et de 4. Ok. C'est bon. Et la 5 worm, techniquement, elle devrait être à côté, je pense. Ouais, là, voilà. Oh. Oh, ça c'est bien ça. Il y a juste une petite pierre là. Et des lingots de fer. Donc on va aller les faire à la maison. Ah, c'est pas mal. En vrai, je commence à être bien en termes de. En termes de minerai, je commence à être bien. Donc ça, c'est pas mal. Mais je sais qu'il m'en manque toujours. Donc en vrai, ce que je ferai, c'est que j'essaierai d'en avoir un maximum et tout et tout. Et ce que je ferai à chaque fois, c'est que j'irai casser toutes les pierres et tout, je mettrai la moitié dans mon coffre et la moitié à vendre. Alors des lingots de fer. Ok, voilà. Heureusement que j'en ai suffisamment du fer, quoi. Fabrique
La tête de paix, la griffe de lion. Hop, et voilà. Au moins, ça me débarrasse de tout ça. Améliore l'appel en utilisant tête de griffe de lion. Ok. Ok, beau gosse. Enlève les petits os de joue qui se... qui... J'ai bugué. Enlève les petits os de gnou qui jonchent le sol du plateau ensoleillé. Voilà, ça serait peut-être un peu mieux. Donc ça doit être ça, je pense. Non. Ça peut-être. Ah mais si je prends pas l'appel aussi, ça va pas le faire. Ok, donc ça c'est encore trop gros. De 2. De 3. Et de 4. Moi ça me donne de l'argile, c'est plutôt pas mal. Et de 5. Ah, je me suis entouré d'imbéciles, pardon. Oh, pour être honnête, tu n'as pas là, tu n'as qu'un moitié imbécile. Après tout, t'as fait la moitié du travail, t'as réussi à te débarrasser des plus petits obés, les plus grands sont toujours là. Coupant le plateau en s'éliant de, je suppose que ça devra faire l'affaire pour l'instant, mais je ne me satisferai pas longtemps de me régner que sur la moitié de mon royaume. Oh, petit, va se calmer, hein, non mais... alors attends... qu'est-ce que j'ai dans mon petit truc pour décorer un peu ici en extérieur? À vrai dire, j'ai pas grand-chose, mais en vrai, ce que je peux mettre, c'est que je vais faire un petit truc, hein. Un petit truc assez. Ouais, je vais mettre un chemin de terre au pire. Enfin, un chemin de briques. Ouais. Voilà, comme ça, ça sera bien. Alors, je sais pas si ça compte le nombre d'objets que j'ai dans mon inventaire ou le nombre d'objets que je peux poser. J'en ai pas la moindre idée. Okay, donc normalement, ça devrait compter comme ça. Voilà, par le Picsou. On va aller parler à Picsou après. Je vais juste farmer un petit peu à l'intérieur de la grotte. Et après, bien entendu, nous nous laisserons là. Voilà, je vais pas trop aller trop vite. Il me reste pas énormément de choses, donc j'aimerais quand même prendre un petit peu mon temps. Et voilà, peut-être que je le ferai hors live, mais au moins là, je ferai la fin du jeu avec vous. Donc comme ça, bah voilà. Je ferai la fin du jeu avec vous. Et bien entendu, lors de la prochaine mise à jour, je serai présent et on découvrira la nouvelle mise à jour. Donc normalement, le monde de Toy Story, je crois, où on sera dans la chambre d'Andy, à ce que j'ai compris, nouveau personnage en rapport avec le roi lion. Et quelques correctifs de bugs à droite à gauche. Et normalement, après je sais pas, je préfère ne pas dire de bêtises par la suite. Mais voilà. Oh! Mais il est où? Bah alors là. Bah il est où Bah attends. Bah alors ça. Bah il est pas rentré avec moi dans la grotte. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas, lui?
Alors, j'ai pas trop compris pourquoi il était de l'autre côté. Bon, ça fait chier vu que j'ai peut-être perdu un truc en double là-bas, mais moi j'ai pas trop compris. Bon. Faut pas chercher à comprendre. Non, 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 non. Normalement, il doit me rester deux, trois trucs, je pense. Bon, je sais pas s'il passera son niveau 6 aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà. Ouh, j'ai plus beaucoup d'énergie. Je vais juste vite fait manger ça. Voilà. Ok. Et on peut retourner à la maison. Bien entendu, je vais vendre la moitié de mes ressources et on va poser les autres ressources dans le coffre. Comme ça, on se garde toujours une marge. Et après, bah, en vrai, si on en a. Je pense que je vais les garder et j'essaierai vraiment de faire des full stack. Je sais pas c'est combien. Peut-être 99. Je pense que ça va prendre un peu de temps d'obtenir 99 minerais de chaque, mais quand je les aurai obtenus, bah au moins après tout ce que je gagne, tout ce que je récolterai dans les grottes, bah au moins. Non mais Dingo il est à côté, il en a mis du temps. Mais bon, moi je pourrais les garder. Donc on en vend un, on en vend un. Pareil. Là comme j'en ai qu'un, je vais pas le vendre. Voilà. Et je vais retourner à la maison. Je vais parler à Picsou avant, je vais retourner à la maison. Donc, parler à Picsou, retourner à la maison, poser tout dans les coffres, sauvegarder et clôturer le live. Attends, ça fait déjà presque 1h10. En vrai, ça passe tellement vite sur le jeu parce que, en fait, je fais beaucoup de choses en même temps. Et bah, on peut facilement mettre énormément de temps. C'est incroyable, hein, l'économie du village. Ok, c'est tout ce qu'il avait besoin. Voilà, bon. Bah au moins, on a fini avec Picsou. Donc, ouais, il me restera à augmenter Ariel, Scar et tout. Et en vrai, bah voilà, le jeu, on l'aura quasiment fini en. Je l'ai commencé le mardi, je crois. Ouais, je l'aurais commencé. Ah, attends, l'île est buggée, je sais pas pourquoi. Je vais essayer d'aller voir en cassant un autre caillou là-bas. Si, viens, non? Qu'est-ce qu'il fait? Vas-y. Va me prendre en double mon caillou. Ah voilà, il a les deux. Et voilà, on aura quasiment fini le jeu en une semaine. C'est ouf quand même. Comment le jeu, en fait, il m'a attiré. Je savais pas que j'allais être autant enthousiaste par rapport au jeu. Mais enfin, en vrai, j'ai. Il y a pas mal de trucs qui rapportent quand même beaucoup de. Beaucoup. C'est ouf, hein. Mais voilà, on sauvegarde. Je vais regarder un petit peu au niveau des différents succès. Améliore la maison max. Offrir 100. Avoir 15 meilleurs amis. Meilleurs amis. Ah, c'est les avoir tous au niveau 10, je pense.
Cuisiner 900 plats, extraire 1800. Extraire 1800 fois. Oh, putain, construire 30 maisons pour des amis. 30 maisons? Ok. Récolter 4500 légumes, pêcher 1800 poissons, récupérer 1000. Oh la vache! Accomplir 1100 missions Dreamlight. Engager 1000 discussions quotidiennes. Ok. Waouh, c'est vraiment des trucs hallucinants quand même. Donc là, les défis, on les continuera demain par rapport à tout ça. Ouais. Eh bien, on va regarder au niveau des poissons Calvados. Ah, le fugu. Ok, donc ouais, plage enchantée, terre oubliée et plage enchantée. Donc ouais, donc il manque deux poissons. Niveau cueillette, je suis à fond. Niveau ingrédients, il manque asperges, citrouilles, pommes de terre. Donc là, j'aurai tout. Les bestioles, là, va falloir, je les ferai aussi. Personnage. L'autre il va se faire aussi. Niveau des gemmes, je les ai toutes ensemble. Waouh, ouais, c'est. Ça m'étonnerait que j'arrive à tout récupérer ou peut-être avec les trucs et tout, mais ça va être aussi long. Je vais regarder par rapport à la garde-robe. Est-ce que je peux modifier ou pas les cheveux? Ah ouais, j'ai pas mal de. J'en ai récupéré. Oh, elle est stylée par contre. Oh! Par contre, la couleur rouge, je veux bien, mais moyen quoi. Voilà. En vrai, elle est plutôt pas mal. Et voilà les petits potes, moi je vais clôturer avec la fin de ce live, j'espère que cela vous aura plu comme d'habitude. La rediffusion sur YouTube quelques jours après, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Bisous tout le monde.